Et salut salut, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Polycube. Et on m'a dit lance ton record parce que tu as une petite surprise dans la salle des coffres. Donc on va aller voir ça juste avant d'entamer le live sur les petites maisonnettes là-bas. Je pense que je vais faire une partie des constructions en live histoire d'avancer un petit peu plus vite. Et on fera tout ce qui est redstone en épisode du coup. Et puis on fera un petit peu de construction aussi en épisode. On va vite fait aller voir là-bas dedans. Et puis après, on se retrouvera après avoir fait quelques petites maisons. Alors, voyons voir. Déjà, il faudrait que j'arrive à rentrer. Ok. J'ai vachement peur. Oh. Qu'est-ce donc? J'ai vachement peur quand même. Ouh, ça sent le coiffe piégé, ça. Ouh, j'aime pas ça. J'aime pas trop ça, moi. Et pourquoi ici il y a de la redstone? On va enlever la redstone qui est là déjà. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Oh mon dieu. Non, là ça va, c'est un couloir. Est-ce qu'on voit. J'ai repéré la torche. Eh, je suis pas une bille en redstone quand même. Non, mais. Mais du coup. Hashtag find the game. Et il avait mis quoi du coup? Oh oh. Il avait voulu m'assommer avec des enclumes quoi. Non mais la Clint ne se fera pas enclumer. Et ouais. Bon bah c'est cool, ça tombe bien. Ah oui, et puis il les avait fait tomber de haut en plus. Y'en a pas d'autres? Non, c'est vrai, y'en a pas d'autres. Non mais mort de rire. Bon bah merci mon petit Edo. Malheureusement, ouais, je sais que forcément un coffre piégé, bah voilà, hein, ça annonce la petite prankounette. Donc bah merci quand même. Je vais ranger tout ça et puis voilà. Sympa ta petite prank. Bon, du coup sur ce, moi je vous laisse pour le moment. On se retrouve du coup une fois après le live, une fois après avoir fait quelques petites maisons là-bas. Et Zaka. T'as vu? Oui. Chez moi, il est tout fini. Oui, oui, t'as vu qu'il s'est. On revient à chaque fois, il y a des choses finies qu'on revient. C'est quoi? Incroyable. À chaque fois qu'on s'en va et qu'on revient, il y a quelque chose qui est fait. Ouais, à croire qu'il y a des petites mains. Ouais, il y a des petites mains qui font ça. C'est ça, ouais. Ah, Zaka a fait un bon gros bout du chemin. J'ai un petit peu fignolé, j'ai rajouté un petit peu plein de petites herbes. Par contre, il y a toujours trop de fleurs. Il faudra que j'en enlève plein. Ici, on mettra notre portail. Je pense que soit je mettrai à la fin de l'épisode, soit on mettra au prochain épisode. Mais dans tous les cas, il va bouger ici. Je pense qu'il viendra au prochain épisode quand on fera les deux accès principaux pour remonter. Et les champs de l'autre côté là-bas. Ça va être dans très très peu de temps. Mais du coup, voilà, on a terminé le chemin principal, j'ai envie de dire, de toute cette partie du village là. Là, il me reste encore si un palmier à faire. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais il allait tellement être galère à faire que voilà. Il me reste encore 2-3 décos à fignoler là-dessus, sur cette grange, la grange OPNJ. Mais sinon, tout est fait. Là, ça sera le prochain épisode. On verra. Prochain ou encore après. Ce sera pas pour tout de suite, en tout cas. Et nous, on va s'occuper de ça. Et ça, c'est les deux maisons qu'on a faites en live l'autre jour, avec un super palmier ici. Donc, on en a une qui arrive ici. Donc, ça, c'est la première qu'on a faite, je crois. Enfin, que j'ai faite. Ouais, il me semble que c'est la première que j'ai faite, celle-ci, et ensuite on a fait celle-là. J'ai fait celle-là, parce que celle-là c'est moi qui les ai faites toutes seules en live. Et du coup j'ai fini toute la décoration extérieure, parce que j'avais fait juste les murs et le sol, et enfin tous les étages, tout ça, en live, mais toutes les finitions, genre les trappes pour faire les fenêtres, les feuilles et tout ça, ça j'ai tout fait là. Faudra qu'on fignole l'éclairage encore dans le sol ici, à ce niveau-là, c'est vrai que ça, on n'a pas eu le temps de le faire encore. Mais voilà, on a déjà bien bossé, je trouve, jusque-là. Et aujourd'hui, on va s'occuper de ce qu'il y aura là-dedans. Si mon petit Kizu, il a bien travaillé aussi, parce que ce week-end, il m'a fait tout le terraforming ici. Donc là, le gros cube qui restait, il n'y est plus. Et il m'a mis du gravier partout, et il a mis de l'herbe partout. Donc tip top de chez tip top, il a bien bossé. Merci mon petit Kizu. Même si on voit pas beaucoup en ce moment, il bosse bien. Donc c'est cool. Merci Kizu. Bon, et du coup nous on va aller s'occuper de ça là-bas dedans. Parce que, comme je vous avais dit au début, enfin il y a un petit moment, tous mes minerais, je les mine avec une pioche.
C'est le touch. Et le problème, c'est que ben, quand on a besoin de minerai, ben, il faut tout reminer avec une pioche fortune. Et alors, soit on fait des grandes tours toutes dégueulasses et puis on se casse la figure. Soit on va faire un petit truc qu'on peut voir là-bas. On peut voir un petit fantôme. Hop, le retour de Schématica. Ouais, moi, je vois pas le fantôme. Non, toi, tu le vois pas, mais moi, je le vois. Tu le verras sur l'épisode, du coup. Où on va avoir pas mal de pistons. Et en fait, on va venir, on va se mettre là. Tiens, d'ailleurs, il me manque un petit bon escalier, endroit, je pense. Ah. Ouais, il va me manquer un escalier si tu veux ramener un. Attends, je vais te le faire. Ouais, attends, je vais te le chercher. Et puis, du coup, on va avoir toute une rangée de pistons. Alors là, les pistons, ils vont venir jusqu'au bout. C'est juste que je l'ai pas fait jusqu'au bout. Parce qu'il faut savoir qu'un piston peut pousser jusqu'à 12 blocs. Donc, ça, je pense que la plupart le savent. Du coup, on va se poser là. On va viser l'obsidienne là-haut. Et puis, on va être légèrement surélevé. Ce qui fait qu'on va pouvoir viser l'obsidienne là-haut. On va rester cliqué. Et en fait, va y avoir un bloc détecteur ici qui va détecter qu'il y a un bloc qui arrive en dessous. Ça va pousser tous les blocs par ici, par ici, par ici, par ici, par ici. Et tout au bout, on aura un observer bloc avec une barrière. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé en créa. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal comme ça. Parce qu'au départ, je mettais l'observer bloc directement contre les pistons pour quand le dernier bloc arrivait là. Et le problème, c'est que les pistons se déclenchaient à répétition tout le temps après, parce que du coup, l'observer bloc, il détectait que le piston s'étendait, se rétractait, etc. Donc ça tournait en boucle. Du coup, je me suis dit, avec une barrière, ça fait comme si le bloc se collait à la barrière. Du coup, la barrière change de forme, vu qu'elle se lie au bloc. Et du coup, ça envoie juste un seul courant de redstone. Du coup, c'est pas mal. Et ça pousse, du coup, tous les blocs qui seront là, par là-bas, en direction de là-bas. Et voilà. Mais bon, le mieux, c'est de le montrer en direct. Donc, je vais monter... Je t'ai donné l'escalier. Tu l'as sur toi, tu l'as pris, l'escalier. Ben, l'escalier, on va le mettre là, du coup. Hop. Ce qui fait qu'on montera là, et puis on posera les blocs ici. Moi, je vais remonter là-haut. Enfin, pas tout en et moi, je regarde le spectacle, ici. En fait. Ouais. Voilà. Je vais la regarder poser les blocs. Donc, en fait, ici, on va avoir un bloc d'obsidienne. C'est là que tu poseras les blocs à miner. Mmh. Ici, on va avoir des dalles pour... Merde. J'ai glissé, chef. Ouais, t'as glissé, ouais. Alors ici, par contre, c'est un bloc entier, je crois. Ouais, c'est ça. Là, c'est un bloc entier aussi. Là, c'est un bloc entier. Là, ça sera une dalle. Et là, c'est un bloc entier. Non, là, je peux pas sauter. Parce que sinon, je me casse la figure. Alors, c'est bien et un peu pas très bien. Parce que du coup, on voit pas grand-chose. Là, c'est bon. 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 Du coup, ces lignes de redstone là, elles vont servir à étendre les pistons qui sont là. Là, il va me manquer une redstone. Mais pour ça, je vais d'abord placer les pistons, je pense. Ah, flûte. J'ai glissé, chef. Ah bah, j'ai carrément glissé tout en dessous. Ah bah là, carrément. Ouais, carrément. Tac, tac. Ça, on va le mettre là. Tac. Ce qui fait que là, normalement, je peux mettre ma poutre de redstone. Et là, il va falloir que j'y mette un observer. Est-ce que je peux grimper au-dessus pour voir? Normalement, lui, je le mets comme ça. Voilà. Ce qui fait que l'observer, là, on va y mettre une barrière ici. Je peux pas la mettre là? Si. C'est bon. Bon, il me dit qu'elle est pas bonne, mais c'est juste parce que j'avais mis des barrières en chaîne toute simple en créa, mais du coup là c'est bon. Hop, on va juste mettre les pistons. Tac, tac, tac. Bonne dextérité. Et après, là, on va avoir un mur complet de pistons. Mais ça, c'est pareil. Je vais le faire depuis là. Je vais d'abord poser ma lignée de stone brick. Qui va arriver là. Et là. Alors, on va déjà faire celle-là. Comme ça, je serai pas embêtée.
C'est vrai que c'est perturbant parce que du coup tu vois pas si t'as posé ou pas les blocs, tu sais. Ah, oui, c'est ça, ouais. Mais dans Schematica, tu vois, non, ou pas? Tu vois dans Schematica, non? Y'a pas un truc pour voir? Tu peux pas faire un aperçu ou je sais pas quoi, non? Passer en mode vue, je sais pas quoi, non? Tu verras sur... Moi, je regarderai sur la vidéo. Sur le replay, ouais, enfin sur la vidéo, ouais. Mais c'est vrai que là, tu vois, il me manque des blocs et du coup... J'arrive pas à bien voir si je les ai posés ou pas. C'est ça qui est embêtant. Tac. Mais il doit avoir moyen de d'effacer la vue, quoi, en fait. Ouais, je pense. De la remettre, je pense. Ouais, ou de baisser l'opacité comme on pouvait faire sur... Ah oui, ouais. Voilà. Ah oui. Sur, comment ça s'appelait, Schematica. Ah oui, mais non, ça, il va falloir que je l'emmène jusqu'au bout. Là-bas, en fait. Tac, tac, tac. Et ça, on verra après, ici. Là. Rebelote. Ça va venir jusque là. Tac. Là, on va poser les escaliers. Les escaliers. Les pistons. Ça va être compliqué, là. Faut que je pose des blocs. Pour prendre un peu de recul. Que j'enlèverai après. Là. Là, je serai mieux. Alors, tac. 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 Ça les met dans le bon sens, là ? Ouais, c'est le piston vers le bas. C'est ça vers que tu le veux ? Long ? Ah, bah non, ouais. C'est pas vers le bas que je veux. Non, sur le côté, en fait. Ouais. Non, c'est pas bon, alors. Je veux qu'on voit la tête du piston. Ouais, donc c'est pas bon. Donc, il faut que je saute pour les poser. Ouais, c'est comme bon. Ça. Ouais, parce que ça me les mettait en orange, du coup, tu sais. Ah oui, donc, ouais, d'accord. Ils étaient pas bons. Alors, du coup, normalement, là, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on a bien les 12 blocs qu'on peut pousser avec les pistons là. Par contre, je pense que je vais enlever le schématique pour faire la suite. Ou alors, je vais le décaler d'un cran. Parce que j'arrive pas à voir en fait si j'ai bon ou pas. Là. Parce que là en plus je peux pas monter de l'autre côté. Tac tac tac. Ouais, je vais enlever le schématique. Alors du coup le menu du schématique il est fait comme ça. Placement off. Et du coup, ouais là c'est tout bon. Je vais enlever la barrière là. Aïe 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 aïe. Ma tête. Je me suis fait casser la tête. Ah bah ouais. Oula. Voilà. Donc en fait, quand on va poser des blocs ici, comme vous avez pu le voir, quand on va poser un bloc à cet endroit-là, en fait, la barrière va changer d'état étant donné qu'elle va se lier au bloc. Ce qui fait que ça va détecter avec le détecteur bloc, ça va faire remonter le signal et il va aller d'un côté en dessous pour activer ces deux pistons-là et d'un autre côté au-dessus pour activer les deux pistons d'au-dessus. Ce qui fait que ça va pousser toute la ligne vers la droite, enfin par là-bas quoi. Et après on aura toute la ligne qui va aller jusqu'au bout là-bas et c'est là qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Alors j'ai déjà cassé tout ça. Et ça y est, on a terminé, on a terminé de finir le petit casse-bloc. Je te donne la chlorure, c'est... Bah non, c'est toi qui fais le test. Ah, c'est moi qui fais le test. Ah, la vache. Bon, alors, je vais voir si j'ai bien travaillé. Et puis comme ça, je vais montrer la redstone. Ah bah oui. Bah non, donc je monte. Bah non, mais il faut le mettre... Pose ta chlorure par terre. Ah, mais d'accord, il faut descendre là. Je pensais que d'en haut, on pouvait poser le truc. Et puis d'accord. Non, 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 d'ici. D'accord. Oh, bah il va falloir que je la décore, cette salle, alors. Bah non, on peut pas. Mais pas beaucoup, hein, parce que... Non, bah non, on peut pas trop. Et regarde. Vas-y. Voilà, et regardez, et hop, bien expliqué. Et là, il suffit de viser l'obsidienne. Ouais. D'accord. Et voilà, et dès que j'atteins le dernier piston, voilà. En fait, il y a la barrière qui change d'état, ce qui fait que l'observer block le détecte. Vas-y, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Comme ça, je montre derrière comment ça se passe. Du coup, ça active là. Et quand Zaka va arriver au bout, normalement, ça devrait activer toute la ligne là. Attendez, parce que j'étais à court de munitions. Ah, vas-y, reprends.
Normalement, ça devrait faire le même effet. Ah mince, ah, j'ai ah, sauté au même moment. Vas-y, continue. Ah, je peux plus, j'ai un minerai au-dessus de moi. Mais normalement, tu peux continuer. Ouais. Non, je pouvais plus poser, j'étais coincé. À cause de l'escalier, peut-être. Ah. Il y a un moment, je voulais aller là, moi. Et en fait, en dessous de ça, il y a une barrière qu'on ne voit pas, là. Et quand les minerais arrivent jusqu'au bout... Tu voulais aller regarder cela, c'est ça, non ou pas? Ouais. Bah tiens, vas-y. Non, mais de derrière, vas-y, continue. Ah oui, d'accord. Par contre, je comprends pas pourquoi on voit un minerai, là. Ça fait bizarre. Ouais. Hop. Ça me paraît pas normal. Et voilà, et là, je suis coincé, regarde. Alors, là, je viens voir. Ouais. Là, en fait, c'est comme si à un moment, ça marchait pas. Ça attends, qu'est-ce qu'il y a bugué? Pourquoi ça pousse pas partout? Ouais, je sais pas. Ah, je sais pourquoi. Bon, j'enlève ça. C'est moi qui ai mal placé les répéteurs. Ah merde, putain. Et là, tac. Ouais, bah oui, parce que j'ai mis les répéteurs au niveau des pistons, donc forcément, ça peut pas marcher. Tac. Et en fait, les pistons, ils vont là. Tac, tac. Les répéteurs. Il y en a un qui va là, et l'autre qui va là-haut. Sauf que là, ça va pas le faire. Là, répéteur, et là, par contre... Non, je sais, c'est comme ça. Comme ça, comme ça. Donc... Et là, c'est celui-là qu'il faut que je... Yes. Là, et là, je mets redstone. Ici, ici, et ici. Voilà, comme ça, là, ça monte là, ça descend là, et ça vient activer par les répéteurs. Vas-y, retente. Alors, je retente. Hop, je remonte sur le petit escalier. Là, normalement, ça devrait tout pousser. Bon, on va voir, hein. Je vais essayer en non-stop, hein. Ah bah non, hop, il y a encore, ça bloque là. Alors attends. Ou c'est moi qui vais trop vite, je sais pas. Non, non, ou alors c'est parce que vu qu'il y avait déjà des blocs avant. Ouais. On ne veut plus. Alors attends, on va casser ceux-là. Là, ça a bientôt poussé. Yes. Donc normalement, là, ça devrait marcher. Ok, alors je vais réessayer. J'ai cassé celui-là. Voilà. Ah, voilà. Nickel. Et là, je recommence. Attends, je reprends un stack. Question. Ah, blocage. Bah merde, pourquoi ça veut pas là? Ouais. Ah, j'ai un blocage ici, tu vois. Là, il veut plus, là, quoi, voilà. Il veut plus lui. Ah mais si, je sais pourquoi. Parce qu'il y en avait encore 3 d'avant. Vas-y, remets les 4. Ok. Voilà. Ah puis là ça a marché, voilà. Qu'il en restait, ouais. Et si je recommence là, ça fait quoi alors? Bah là normalement ça devrait être bon. Là ça arrive jusqu'au bout. Vas-y, continue. Hop. Encore 3 rangées. 1, 2, 3. Et voilà. Aïe, ça marche. Voilà. Et voilà, et ça va remplir tout ça. Et puis après, il n'y a plus voilà. Qu'à prendre cette petite pioche. Et quand tu veux plus, voilà. Ben, c'est que c'est arrivé voilà. Jusqu'au bout ici. Et normalement, voilà. Jusqu'au bout ici, après, tu as juste à tout casser. Avec et la après, fortune 3, c'est bon. Même si tu en restes au sol, que tu n'as pas tout récupéré dans ton inventaire, tu as un petit minecart qui roule en dessous. Qui va tout récupérer. Et je vais faire comme pour la salle des coffres, récupérer tous les items qui arrivent là-dedans, les faire remonter, enfin pour la salle des coffres, pour l'usine à faire, je vais tout faire remonter au-dessus avec un tri automatique pour tous les minerais, que ce soit charbon, émeraude, redstone, lapis et il en diamant. Manque un, je crois, et diamant. Ouais. Diamant. Donc comme ça, ce sera tout trié là-haut, tu pourras même tout dropper au sol, ça remontera tout là-haut et ça se triera tout seul. Voilà. Comme ça, tu pourras farmer du charbon et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ouais. C'est une belle machine. Ça sera bien. Ouais. Bon. Et puis voilà.
Et puis voilà. Du coup, on a terminé ça. Du coup, je vais faire le... Je vais m'occuper, moi, du tri automatique à l'étage. Alors, pas ici, mais encore au-dessus. Tout en haut, comme pour l'usine à faire, en fait. Ouais. Ça va arriver jusque-là. Ça va se trier. Ici, je vais mettre des trieurs automatiques. Et ça va venir se ranger dans les coffres, ici. Ce sera tout bien rangé, tout beau, tout propre. Et puis, voilà. En fait, et puis, on se retrouve une fois que ce sera tout fait. Ouais. Ah, et puis il suffit de mettre un S2 là, tu sais, sur le machin là. Quand tu fais du charbon par exemple. Oui. Sur le, tu sais, sur le. Comment on appelle ça, merde, sur le. Pour piocher plus vite en fait, avec les filles 5. Ah oui, je suis pas sûr que ça fonctionne sur les mineries. Ah non, t'as raison, non, ça marchera pas. Ouais, ça marche pas. Mais voilà, du coup, tu vas pouvoir farmer le charbon. Ouais. Ça va être cool. Ouais, du coup, on se retrouve après. Ouais, on se retrouve après. Salut, salut. Bon, du coup, on a notre petit minecart qui récupère tout ici. Ça arrive tout, normalement, dans une série d'entonnoirs ici. J'en ai rajouté un peu par rapport à tout à l'heure, parce que ça se dévidait pas très très rapidement. Donc j'en ai rajouté, histoire qu'il ait bien le temps de se vider. J'ai enlevé quelques rails propulseurs, du coup, ici, pour qu'il ait bien le temps de ralentir et de se vider bien comme il faut ici. Elle, il faut que je la récupère. D'ailleurs, est-ce que je peux remettre tout ça dedans ? Bah écoute, ouais, ça a l'air de passer. Hop, est-ce que j'ai la place pour ça? Non, par contre j'ai enlevé le cuir qu'il y a dedans. Ça, ça, voilà, comme ça je la récupère. Bim. Donc, donne-moi le cuir. Ouais, parce que ça voilà, ouais. ça se rangera, voilà. Ouais. Alors, ça, voilà. Donc ça arrive dans ces entonnoirs là, et il y en a beaucoup qui m'ont demandé, enfin 2-3 qui m'ont demandé... comment j'avais fait la remontée d'items au niveau de l'usine à faire? Bah, j'ai fait comme ça, comme ici. Donc en fait, on a des entonnoirs qui arrivent dans un dropper, ici. On a une colonne de bubules, donc avec la soul sand. Hein, la petite astuce, c'est vous mettez... avant de mettre la soul sand, vous mettez une source d'eau tout en haut de là où vous voulez, jusqu'où vous voulez que ça remonte. Et après, vous plantez du kelp jusqu'en haut. Ensuite, vous coupez tout le kelp depuis la base et vous mettez un bloc de soul sand en dessous. Et ça vous fait une colonne de bubules tout du long. Et donc vous mettez un dropper ici avec un comparateur, un répéteur pour prolonger le signal et après de la redstone pour que ça revienne en boucle là-dessus et sur un bloc à côté du dropper. Comme ça, dès qu'il y a des items qui arrivent dedans, on peut tester avec de la stone brick par exemple. Voilà, c'est détecté et ça fait une boucle en fait avec le comparateur. Ça arrive là. Et au-dessus, en fait, ça remonte, moi, vu que c'est pas tout droit directement jusqu'en haut, j'ai fait un deuxième système pareil ici. Donc en fait, ça remonte jusqu'ici, ça fait un petit coude. Ça remonte jusque-là, dans des entonnoirs, ça arrive dans ce dropper-là, et rebelote la petite cloque qui fait remonter jusque tout en haut. Et du coup, on arrive au niveau de la salle du stockage, quoi. Enfin, on va d'abord passer tout en haut avant d'aller montrer la salle de stockage. Donc ça arrive jusqu'en haut ici. Ici on a toute une session de tri. Alors c'est un petit peu le fouillis parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Mais grosso modo ça arrive jusque là-bas. Je vais passer par là. Donc ça arrive jusque là-haut. Ensuite c'est récupéré dans une série d'entonnoirs qui fait toute la longueur jusqu'au bout là-bas. Là, voilà, jusqu'à là-bas. Et après, j'ai tantôt des entonnoirs qui vont d'un côté, tantôt des entonnoirs qui vont de l'autre, pour pouvoir se distribuer dans les coffres en dessous. Et à chaque moment, à chaque endroit, j'ai mis un trieur comme ça, donc avec entonnoir, poudre de redstone, un répéteur et une torche qui viennent bloquer les entonnoirs ici. Et dans chaque entonnoir là, j'ai mis 44 items de tri, plus l'item que je veux trier. Ce qui fait que bah, il n'y a que cet item là qui pourra passer et pas les autres. Et donc j'ai fait ça pour chaque item. Donc on a le charbon, la redstone, le lapis, le diamant, l'émeraude et le quartz. Du coup c'est tous les minerais qu'on peut miner en Silk Touch et qu'on peut miner en Fortune 3 après. Et ensuite si jamais il y a des blocs ou des shulkers, par exemple qu'on pose nos shulkers en bas, en la cassant elle se fait récupérer par le minecart, on sait jamais hein. Ça arrive tout là, comme la stone brick que j'avais envoyée, c'est que ça fonctionne bien. Donc ça arrive tout là dans la shulker poubelle, enfin dans le coffre poubelle. Et voilà, et du coup tous les items après ils arrivent en dessous ici.
Ils sont triés et ils arrivent tout. Ici, on a, j'ai mis des petits panneaux pour dire à quel endroit était quoi. Et du coup, là, on aura tout le charbon. Là, on aura tout le diamant qui arrive là. Alors, ça arrive pas du même côté à chaque fois par rapport aux entonnoirs là-haut. Ça, j'en ai pas encore mis. L'émeraude, j'en ai pas encore non plus. Le lapis, normalement, ça arrive tout ici, voilà. Et la redstone, ça arrive tout là. J'ai mis des tables de craft ici, de chaque côté, pour pouvoir les crafter en bloc, si vraiment on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, après, je pense qu'avec tout le stockage qu'on a là, ça devrait pas être nécessaire. Ouais. Je pense, hein. Mais du coup, voilà, c'est terminé. C'est une bonne chose de faite, ce qui fait que je vais pouvoir casser tout le charbon. Ou alors c'est Zaka qui va le faire. Et comme ça, on pourra échanger avec les villages. Non, mais c'est, ouais. Mais c'est très pratique, en fait, hein. C'est ouais, très pratique, c'est, honnête. C'est quelque chose d'assez pratique. Ouais. Bon, et après, voilà. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est partir de là, en fait... Mettre plusieurs, par exemple, plusieurs coffres, enfin faire un système avec des boutons dans la salle des villageois. Ouais. Si tu veux, par exemple, du charbon, tu t'appuies sur le bouton. Ah oui, oui, ouais, t'as des systèmes comme ça, mais là, j'aurais pas la place de le faire, je pense. Ouais. Mais t'as des systèmes comme ça, j'en ai déjà vu, ouais. Où ils arrivent carrément en shulker, en fait. T'as des shulkers qui arrivent et qui sont au plafond. Ah, et d'accord. Tu peux récupérer tu peux récupérer tout le contenu de la shulker et échanger et tout. Et dès que la shulker est vide, elle est récupérée, renvoyée pour se faire remplir et ainsi de suite. C'est un truc de malade. J'avais vu un système comme ça, mais là, on n'aura pas. Enfin, j'aurai pas la place de faire par rapport à la déco que je veux faire. Ouais. Et vu que j'aime bien faire mes usines par rapport à la déco que je fais. C'est ça, c'est ça. Là, j'aurai pas la place. Mais j'aurais pu. Peut-être que dans la grande ville, on fera un truc de luxe comme ça. On verra. Ouais. Mais rien que ça, c'est ingénieux déjà. Tu vois, je veux dire, c'est un système déjà vraiment bien, quoi. Bah ouais, c'est vrai que c'est quand même pratique, on n'y pense pas. Et, puis avec les ascenseurs en haut, maintenant ça remonte à une vitesse folle, quoi. C'est clair. La folie, puis c'est beau. Ouais. Bref, du coup, on va se laisser là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis nous, en tout cas, on s'est bien éclaté et puis on a bien bossé, on est bien contents. Ouais, on est bien contents de la journée. Ouais. Et puis ben, on se retrouve pour un prochain épisode la prochaine fois. On vous fait plein de bisous. À laisser, le pouce bleu, le commentaire ou à vous abonner comme d'habitude. Voilà. Et puis, voilà, plein de pouces bleus. Voilà. Plein de bisous. Et plein de bisous. Voilà. Salut. Ciao. Ciao.